Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui est la présentation des produits de cette fameuse marque dont tout le monde parle, qui est la marque Ekibao. Alors Ekibao est une marque récente et elle a déjà fait ses preuves au niveau de la qualité de leurs produits et aujourd'hui je vais vous parler de 3 de leurs produits. Donc j'ai reçu il y a un petit moment déjà, le temps pour moi de bien les tester, 3 produits de chez eux qui est le Divine Demelcar, le Drenatox et le Dark Potion et je vais vraiment vous dire ce que j'en pense. Alors en premier je vais vous parler du Demelcar, donc ce n'est pas qu'un simple démêlant, c'est aussi un soin. Donc ce produit est composé de kératine qui nourrit et renforce les crins et les poils, elle apporte également du volume et de la brillance et est composée également de protéines de soie qui hydratent et améliorent l'élasticité. Mon avis sur ce produit est plutôt positif, le produit est assez joli au niveau du design. Comme vous pouvez le voir en vidéo, le vaporisateur est plutôt original car la durée de pulvérisation est plus longue, comme vous pouvez le voir en vidéo également, donc vous pouvez le voir que ça ne fait pas pchit pchit, mais pchit. Voilà, je pense que vous avez compris. La prise en main est bonne, même si on peut avoir mieux, car le produit est quand même assez gros. Donc pour les petites mains ça peut être assez dérangeant et il fait très bien son job, donc il démêle très très bien. Les crins sont doux et brillants comme vous pouvez le voir en vidéo et il a une très 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 bonne odeur de monoï comme je vous avais dit dans la vidéo Ekibox. En résumé c'est un très très bon produit, c'est un bon démêlant, il démêle vraiment bien, les crins sont vraiment doux et brillants mais après c'est pas non plus le produit de l'année, ce n'est pas non plus le produit ultra merveilleux. C'est un bon démêlant lustrant qui fait un petit peu soin également mais ce n'est pas non plus le gros produit de l'année. En deuxième, je vais vous présenter le Drenatox. Alors là, ça va être vraiment compliqué pour moi de vous dire si ce produit a un très bon effet, car les effets se passent en fait à l'intérieur du cheval, dans son système digestif. Donc je vais tout de même vous le présenter, mais je vais éviter de vous dire « Waouh, ce produit est vraiment génial !» etc. Tout simplement parce que les effets se passent vraiment à l'intérieur du cheval. Donc c'est vraiment compliqué pour moi de vous dire que ce produit est génial alors que les effets se passent à l'intérieur. Donc le Drenatox est une solution formulée à base de plantes soutenant le fonctionnement du foie et des reins. Drenatox stimule également le métabolisme général. L'artichaut, le charbon-marie et le radis noir sont des acteurs majeurs du drainage hépatique. Il protège et stimule le foie fatigué, il favorise la sécrétion de bile. La verge d'or, le chien-dent, le frêle, la racine d'asperge et le houblon ont des vertus dépuratives. Ils éliminent les poisons et toxines du sang. Et diurétique, il augmente la production d'urine. Il sollicite les reins pour ses fonctions de filtration et d'épuration du sang. Alors l'utilisation conseillée c'est pour les chevaux sains, pour nettoyer l'organisme, idéalement 2 fois par an comme j'ai fait exactement avec Azzaro. Azzaro est un cheval sain mais j'ai voulu faire une petite cure, donc voilà je lui ai fait la petite cure. Ensuite c'est pour les chevaux de sport, pour favoriser l'élimination des toxines, pour le cheval dont le foie est surchargé à cause d'une alimentation trop riche et pour les chevaux nécessitant un soutien métabolique important à cause de l'âge, les poulinières, etc. ou convalescent à cause d'un coup de sang ou des fourbures. Drenatox peut également être utilisé avant toute autre cure ou traitement afin d'en optimiser le résultat, meilleure assimilation grâce à un foie qui fonctionne bien, après toute prise de médicaments ou vermifuges chimiques afin d'éliminer les substances indésirables et limiter les effets secondaires. Chez les chevaux sujets à la dermite estivale dont l'allergie peut être due à un mauvais fonctionnement du foie et à la présence de toxines dans l'organisme. Alors comme je l'ai dit, j'ai fait cette cure là à Azzaro qui est un cheval sain et je lui ai fait cette cure après lui avoir donné le vermifuge chimique. Donc j'ai attendu que le vermifuge fasse effet, donc j'ai attendu au moins une bonne semaine, voire 2 semaines, que le vermifuge fasse effet et ensuite je lui ai fait la cure. Donc Azzaro a beaucoup apprécié la cure, il n'a pas du tout eu du mal à la manger. Le Drenatox a une odeur un peu de jus de pomme, c'est assez spécial mais c'est vrai, ça a une odeur de jus de pomme. Donc Azzaro n'a pas du tout eu du mal à le manger. Et le petit dernier qui est clairement mon chouchou, le chouchou que j'ai reçu, le produit chouchou, c'est le Dark Potion. Alors là, sincèrement, ça va faire carrément la fille qui vend le produit, mais je m'en fiche. Je vous dis vraiment ce que j'en pense de tous les produits et vous le savez.
le Dark Potion est vraiment le produit que j'ai le plus préféré. Alors le Dark Potion, c'est quoi ? Donc c'est une solution dont la recette a été élaborée par un vétérinaire équin spécialiste des problèmes de pied. Le produit a une double destination et c'est ça qui m'a le plus plu. C'est un fortifiant pour sabots, donc Dark Potion permet de durcir la sole et la paroi en cas de besoin. Cornes molles ou friables, chevaux pieds nus comme Azzaro et chevaux sensibles. C'est un antiseptique puissant, Dark Potion permet d'éradiquer les champignons, bactéries et autres microbes, en cas d'infection importante de la boîte cornée. Pourriture de fourchette, maladie de la ligne blanche, fourmilière, abcès, après avoir drainé le pus. Dark Potion contient notamment de l'huile de cade et de la teinture d'iode. Je l'ai testé un long moment sur Azzaro et j'en suis entièrement satisfaite. Ça m'a vraiment étonnée parce que ce produit a très très bien entretenu la fourchette et la sole d'Azzaro. Avant, Azzaro avait de temps en temps la fourchette qui pourrissait. Et depuis que je lui ai appliqué quotidiennement ce produit, il n'a plus du tout eu les fourchettes pourries. Donc ce n'est vraiment pas du goudron, par contre, c'est toute autre chose. Là, on parle vraiment d'une potion qui permet tout simplement de désinfecter et de durcir la corne. Donc voilà, c'est une solution complètement différente que l'on applique sur la fourchette et la sole pour vraiment entretenir et éviter les maladies. Donc je suis vraiment satisfaite de ce produit et j'hésiterai pas du tout à l'acheter la prochaine fois. Le seul petit bémol de ce produit, c'est que ce produit sent assez mauvais. Ça sent pas du tout pareil que le goudron de Norvège, c'est une toute autre odeur. C'est une odeur de iode un peu très très forte, enfin c'est vraiment très particulier. C'est pas ultra, ultra dérangeant, mais ça sent quand même un peu mauvais. Donc voilà le petit point négatif de ce produit, sinon c'est un formidable produit qui entretient parfaitement les sabots de notre cheval pendant l'hiver quand c'est une période assez compliquée et où les fourchettes pourries sont le quotidien de beaucoup de chevaux. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit à propos des produits que Equibao m'avait envoyés. J'espère que cette petite vidéo des produits vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt !